Nous allons aujourd'hui commencer une série de méditations sur le livre de Judith. Ainsi, notre enseignement du jour portera sur les trois premiers chapitres du livre de Judith. Pour proclamer 2022, année du discernement et de l'anéantissement du plan de Satan, nous nous sommes appuyés notamment sur Judith 2.1. Aussi, commençons-nous cette année avec une série de méditations sur le livre de Judith. Notre première méditation a pour thème l'erreur du rouleau compresseur. On appelle rouleau compresseur une personne ou un groupe qui suit sa route implacablement, avec une puissance massive. Une personne inarrêtable. Une personne, quand elle a commencé quelque chose, elle va, cette personne-là, de succès en succès. Tel un rouleau compresseur qui écrase tout sur son chemin. On appelle donc rouleau compresseur une personne ou un groupe qui suit sa route implacablement avec une puissance massive. Mais puisque nous parlons de l'erreur du rouleau compresseur, disons d'emblée que le péché originel du rouleau compresseur consiste à prendre la place de Dieu. L'erreur du rouleau compresseur. Qu'est-ce qu'un rouleau compresseur? Quelqu'un qui ne fait que gagner, qui écrase tout sur son chemin, comme un rouleau qui compresse tout. Rouleau compresseur. Il passe, il rase tout sur son chemin. Alors, quelle est l'erreur de ce rouleau compresseur? C'est force de gagner, l'habitude de gagner, le trompe finalement, et il se prend pour Dieu. Amen. Demande à ton voisin, veux-tu être un rouleau compresseur? Qu'il réponde, est-ce qu'il veut être un rouleau compresseur? Voulez-vous être des rouleaux compresseurs? Vous ne voulez pas gagner. Vous ne voulez pas gagner dans votre vie. L'année 2021, année de la vérité et du déblocage. Dieu, s'il t'a béni en 2021, il a fait de toi un rouleau compresseur. Même si tu rencontres un obstacle sur ton chemin, tu le rases. Tu veux être comme ça ou non? Qui veut être comme ça? Donc, tu veux être un rouleau compresseur. Qui veut être un rouleau compresseur? C'est-à-dire que tu puisses tout raser sur ton chemin. Tout obstacle que tu rencontres, que tu le... Comme un rouleau con. Mais maintenant, on dit, le thème, c'est l'erreur du rouleau compresseur. Quand l'homme ne fait que gagner, l'erreur, c'est de se prendre pour Dieu. Si vous êtes un peu humain, c'est parce que de temps en temps, vous échouez. L'échec vous rend humain. Mais la victoire, les victoires, tout le temps, vous gagnez. Vous croyez Dieu. Donc l'échec est bon pour la santé. Il faut de temps en temps échouer. La réussite en tout et pour tout est nuisible à la santé. Dites amen. L'échec aussi en tout est nuisible à la santé. Donc la vie doit être faite des réussites et d'échecs. C'est cet équilibre. Mais comme chrétien, dans notre vie, la balance doit beaucoup plus pencher du côté des réussites. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Amen. L'erreur du rouleau. L'erreur du rouleau con. En quoi consiste cette erreur? Prendre la place de Dieu. Les succès grisent. Le succès rend ivre. Les succès enivrent. Les succès plongent dans les excès. Amen. Vous avez compris? C'est ça. Donc, il faut comprendre ça, l'arrière-fond. Ah, donc, l'erreur du rouleau compresseur.
Tu gagnes, tu gagnes. Tu rases tout sur ton chemin. Excès de confiance. Tu commences à penser que tu es Dieu. Tu deviens orgueilleux. Tu n'écoutes plus personne. Frère du rouleau compresseur. Donc je vais analyser vite en 8 points. Judith 1, Judith 2 et Judith 3. Parce que j'ai dit, si je fais par chapitre, vous n'allez pas comprendre. Il faut prendre 3 chapitres. Vendredi prochain, je prendrai aussi 4, 5, 6. C'est parce que je terminerai au mois de janvier. Donc il ne faut pas rater. Maintenant, si tu rates un vendredi, tu as raté un livre. 3 chapitres. Comme ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Ils vont rater 3 chapitres. Et ils viendront vendredi prochain. Ils ne comprendront pas grand-chose. Déjà, toi qui es là, avec cette pluie, tu ne comprends pas grand-chose parce que tu suis plus le bruit de la pluie que le message. Contre Arphaxad, tous contre Nabucodonosor, le rouleau compresseur, le malheur des rouleaux compresseurs, le plan secret de Nabucodonosor, la nomination et la mission d'Holoferne, les meilleurs pour combattre les médiocres, sous les fourches caudines. Des noms à retenir: Nabucodonosor, Arphaxad, Holoferne. Nabucodonosor, roi de Babylone, roi d'Assyrie, dont la capitale est Babylone. Arphaxad, roi de la Médie ou des Mèdes, dont la capitale est Ectabane. Et Holoferne, qui est le général de Nabucodonosor, le chef de son armée. Arphaxad, Nabucodonosor, Holoferne. Dites à votre voisin, Arphaxad. Arphaxad. Nabucodonosor contre Arphaxad. Nabucodonosor est roi d'Assyrie, dont la capitale était Babylone. Arphaxad est roi des Mèdes, la capitale d'Arphaxad est Ectabane. Ectabane est une ville bien ornée, une ville très large, avec un rempart élevé, avec de grandes portes. Quand vous lisez le premier chapitre, on vous dit tout ça. Une ville avec de grandes portes. Arphaxad était en ce moment-là le roi le plus influent. Au début du livre, le roi qui a le vent en poupe, le roi qui a du succès, c'est Arphaxad, roi des Mèdes. Tous les peuples environnants s'émirent de son côté. Il était le plus puissant, il était le plus influent. Tout le monde est dans son camp. Tout le monde est dans son escarcelle. Malgré tout cet arsenal, Arphaxad sera battu par Nabucodonosor. Au début, c'est Arphaxad qui était le rouleau compresseur, qui écrasait tout sur son passage. Dieu va les détrôner et va placer Nabucodonosor sur le piédestal, au plus haut point, au sommet de la gloire. La chute d'Arphaxad, roi des Mèdes, est là pour confirmer la parole de Dieu qui dit: on équipe le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend du Seigneur. Proverbe 21, verset 31. Donc, tu peux tout faire. Construire ta ville, lui offrir de grandes portes, un rempart que tu peux supposer infranchissable. Tu as fait ta part. Tu as équipé le cheval pour le combat. Mais la victoire dépend du Seigneur. La victoire dépend du Seigneur. Tu peux tout faire, te protéger avec des murs infranchissables, avec des grandes portes, comme l'a fait Arphaxad. Ectabane était une ville fortifiée. Mais malgré la ville fortifiée, les grandes portes, Ectabane est tombée. Parce que la victoire dépend du Seigneur.
Le Seigneur Jésus nous dit, soyez bien en garde contre tout désir de posséder. Car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Luc 12, 15. Oh, j'ai des biens. Oh, j'ai clôturé ma maison. Oh, j'ai mis une grande barrière. Oh, j'ai fait ceci. Au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. La Bible dit encore, 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand tous diront, c'est la paix, la sécurité, la catastrophe les surprendra comme pour la femme les douleurs de l'accouchement et ils n'y échapperont pas. Ces paroles qui se justifient aujourd'hui dans la vie du roi Arphaxad se justifieront demain dans la vie du roi Nabucodonosor. Elles peuvent aussi se justifier dans la vie de tout un chacun. Aujourd'hui tu as le vent en poupe. Aujourd'hui tu as du succès. Demain tu peux le perdre. Tu peux perdre le succès à tout moment. Tu peux tomber à tout moment. Un chrétien ne compte pas sur ses remparts, sur ses renforts. Un chrétien compte sur le Seigneur. Les moyens, les relations, notre force, notre famille ne peuvent rien. Parce que la victoire ne dépend pas de ta famille. La victoire ne dépendra pas de tes relations. La victoire ne dépendra pas de tes moyens. La victoire dépend du Seigneur. Amen. Le chrétien doit pouvoir dire aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de l'Éternel. Eux, ils fléchissent et tombent. Et nous, nous tenons, nous résistons. Psaume 20, versets 8 à 9. Arphaxad était mieux protégé que chacun de nous. Mais lorsque le Seigneur décida d'en finir avec lui, il ne put opposer aucune résistance. Amen. Au lieu de prier, au lieu de chercher la face de Dieu, tu vas chercher l'appui des hommes. Tu vas chercher des alliés. Oh, j'ai des problèmes. Au travail, on veut me chasser. Oh, on me combat dans mon mariage. On me combat dans mes études. Et tu cherches des alliés terrestres. Fais de Dieu ton allié. Mets-toi à genoux. Parle à Dieu. Fais tout pour que Dieu soit dans ton camp. Ne cherche pas des alliés humains. La force ne rend pas l'homme vainqueur. C'est Dieu qui rend l'homme vainqueur. Deuxième point. Tous contre Nabucodonosor. Nabucodonosor fit à son tour appel au peuple qui lui était proche. Bon, Arphaxad a cherché des alliés. Mais il est allé en guerre contre Nabucodonosor et a perdu. Après ça, Nabucodonosor aussi va chercher des alliés. Écoutez ce que dit la Bible. Ils refusèrent de se rassembler autour de lui pour le combat, car il ne le craignait pas. Pour eux, ce n'était qu'un homme. Ils renvoyèrent donc ses messagers, les mains vides et humiliés. Ils disent, à l'époque, c'était Arphaxad qui était l'homme craint. L'homme que tout le monde craignait, c'était Arphaxad. Mais les gens n'avaient pas compris que la roue de l'histoire était en train de tourner. Quand Nabucodonosor leur tend la main, venez m'aider, disent, mais toi, qu'est-ce qui es-tu? Tu es un homme isolé, tu n'as aucun pouvoir. Est-ce que toi, tu peux battre Arphaxad? Nous ne nous joignons pas à toi. Nous refusons de nous allier à toi, parce que tu n'es qu'un homme. Tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun nom. Tu n'as aucune gloire. Personne ne te connaît. Ça c'est Judith 1, verset 11. Tous sont contre Nabucodonosor, mais il va l'emporter sur eux. Ne te plains pas lorsque ceux sur qui tu comptais t'abandonnent. Rends grâce au Seigneur. Dis-toi seulement que tous ces lâcheurs t'aident à compter sur ton Dieu et sur toi-même. Celui qui t'abandonne contribue à rendre grand et beau ton témoignage. Comme Paul, tu diras un jour, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné, que Dieu ne leur en tienne
par rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force. De Timothée 4, 16 à 17. Si ces choses sont arrivées à Nabucodonosor, un homme qui ne croyait pas en Dieu, cela t'arrivera aussi et bien davantage. Nabucodonosor a été abandonné. Mais cet abandon des autres a fait que Dieu puisse l'utiliser comme son instrument. Mais toi, tu es un croyant. Ce que Nabucodonosor n'était pas. Il faut que dans ta vie, se vérifie cette parole. Lorsque les hommes t'abandonnent, que Dieu soit avec toi. Lorsque les hommes te rejettent, que Dieu t'accueille. Car si Dieu a utilisé Nabucodonosor comme un instrument de sa volonté, il va t'envoyer témoigner de lui en tant que son fils, sa fille de prédilection. Amen. Amen. Ne pleure pas quand les gens t'abandonnent. Ne pleure pas quand les gens te rejettent. Ils contribuent, comme je l'ai dit dans le texte, à rendre grand et beau ton témoignage. Parce que, qu'est-ce qui est beau? C'est quand tu peux dire, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a soutenu. Tous m'ont combattu, mais le Seigneur m'a soutenu. Tous m'ont critiqué, mais le Seigneur m'a défendu. C'est ça le témoignage que tu dois avoir. Que Dieu lui-même intervienne et te sauve. Que tu puisses dire, dans ce qui m'arrive, l'homme n'a pas contribué. Là, c'est Dieu lui-même. Amen. 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 Oh non, tellement abandonné, tu commences à en faire un problème. Appeler les gens, oh tel, depuis qu'il a l'argent, il ne pense plus à nous. Tel, depuis qu'il a l'argent, il ne nous appelle plus. Ne te plains pas. Il t'a abandonné. Accroche-toi au Seigneur. Dis au Seigneur, papa, mon frère, mon oncle, ma tante, sur qui je comptais, m'a abandonné et ne pense plus à moi. Pourtant, il m'avait fait des promesses. Seigneur, je m'accroche à toi, toi qui n'abandonnes jamais, toi qui n'abandonnes jamais. Sois avec moi, et ceux qui m'ont abandonné reviendront. Reviendront. Je vous donne mon témoignage, pas pour grand chose, pour peu de choses seulement. J'ai travaillé à Lubumbashi, à Kinshasa, ici même en Bushmane. Maintenant, parfois, je reçois des appels qui me font rire. Un ami de longue date qui t'avait abandonné, qui n'a jamais cherché ton numéro. Maintenant, il voit une vidéo et il veut dire aux gens qu'il vous connaît. Qu'est-ce qu'il fait alors? Pour montrer au monde qu'il vous connaît, il vous appelle. Main libre. Avec plaisir, bonjour. C'est moi tel, ton ami de Lubumbashi. Comment ça va? Ah! Parce que je suis ici avec des gens, ils disent que on ne se connaît pas. Moi, j'ai dit, on se connaît. Tu vois comment Dieu retourne les gens qui t'avaient abandonné. Les gens qui, pour rien au monde, n'allaient même pas te chercher. Imagine aujourd'hui, tu deviens ministre, tu deviens gouverneur. Les gens qui t'avaient oublié, ne vont-ils pas te chercher? Ne vont-ils pas te chercher? Ne vont-ils pas venir se présenter? C'est moi tel. C'est moi un tel. Tu m'as oublié. Et tu verras, même des gens que tu n'as jamais connus, ils vont t'appeler comme s'ils te connaissaient. C'est moi tel. Tu m'as oublié? On était dans le même quartier. Ça peut être vrai, vous étiez dans le même quartier, mais ne te saluez pas. Ils ne s'intéressaient pas à toi. Mais aujourd'hui, puisque Dieu t'a élevé, puisque Dieu ne t'a pas abandonné, les gens qui t'avaient abandonné, qui t'avaient laissé pour compte, ces gens-là reviendront vers toi. Ces gens-là te chercheront. Dans la vie, la relation pour laquelle tu dois te battre vraiment, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Relation avec telle, qu'elle se gâte, qu'elle s'abîme,
mais que je ne détruise pas ma relation avec Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Très peu de gens vont dire ça. Quand tu arrives chez eux à midi, ils ne t'accueillent pas bien. Viens chez eux mal habillés. Tu viens même pour demander l'adresse. Ils ne vont pas bien t'accueillir. Mais il y a quelqu'un qui dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Pas vous qui avez l'argent. Vous qui êtes fatigués. Venez. Moi, je vais vous donner du repos. Appelez-moi. Et je vous répondrai. Amen. Donc, les gens peuvent être tous contre toi. Mais cherche, il n'y a pas de problème. Si les gens sont tous contre toi, tu es dans le bon. Fonce. Fonce. Ce n'est pas que reste mauvais, non. Tu fonces en essayant aussi d'être bon avec ceux qui sont bons avec toi. Mais ne pense pas faire l'unanimité. C'est ça la sorcellerie et c'est ça le péché d'idolâtrie. Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité. Toi, tu veux dépasser Dieu. Dieu lui-même a des opposants, Satan et les démons. Toi, tu ne veux pas avoir des démons dans ta vie et Satan. Les démons, il y en aura toujours. Et tu trouveras toujours dans ta vie un Satan, un diable qui te combat. C'est normal, Dieu en a. Si Dieu a son Satan, disons comme ça, et son diable, et ses démons, hein, qui le combattent, Dieu, le Créateur, toi, qui es-tu? Tu en auras. Tu en auras. Tu en as. Que dis-je? J'ai dit tu en auras. Tu en as. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Il y a ici sur la terre quelqu'un qui ne te supporte pas. Quelqu'un qui est prêt à jubiler si tu meurs. Certains ont une idée de ces personnes-là. Parce que parfois, ils t'attaquent comme ça ouvertement. Parfois, ils disent des choses. Tu apprends qu'elle a dit ceci sur ton compte. Tu connais la personne. Mais la plupart des cas, nous ne connaissons pas le diable de notre vie. Ça peut être même ton grand frère. Ça peut être ta petite sœur. Ça peut être ta grande sœur. Elle n'aime pas le bonheur, ton bonheur. Et toi, tu ne le sais pas. Quand tu découvres, ne t'en scandalise pas outre mesure. Comprends que si Dieu a son, entre guillemets, diable, son Satan, tu en as aussi. Si Dieu a des démons qui le combattent, qui es-tu pour ne pas en avoir? Ou pourquoi tu me combats? C'est normal. C'est ton diable, c'est ton démon, c'est ton sorcier. Comprends, c'est normal. Avance avec ceux qui avancent avec toi. Amen. Amen. Oh, je l'ai redonné, ils ne me donnent pas. Je l'ai redonné, ils ne font pas. Je l'ai redonné, j'abandonne. N'abandonne pas. Tu fais pour Dieu. Dieu te récompensera. Et il te récompense déjà. Et il te récompense déjà. Et il te récompense déjà. Si tu ne le vois pas, c'est ton problème. Ne fais pas le bien pour que les gens soient reconnaissants. Fais le bien pour Dieu. Fais du bien surtout aux ingrats. 3. Le rouleau compresseur. Les refus que le peuple environnant va opposer à l'appel de Nabucodonosor va le mettre en colère et il va jurer de les corriger très sévèrement. Puis, avec son armée, il livra bataille au roi Arphaxad en la 17e année de son règne. Il remporta la victoire, écrasant toute l'armée d'Arphaxad, sa cavalerie et ses chars. Il s'empara de ses villes et arriva jusqu'à Ectaban. Là, il prit les tours, pilla les rues et transforma en ruine la cité fameuse. Il captura Arphaxad dans les montagnes des Ragots, les transperça de ses lances et le fit disparaître pour toujours. Il revint ensuite avec tout son monde, une foule immense d'hommes de guerre. Et pendant 120 jours, il s'installa avec son armée dans une vie de plaisir et de luxe. Judith 1, 13 à 16. Donc Nabucodonosor va finalement engager la guerre contre Arphaxad, qui avait beaucoup d'alliés derrière lui. Nabucodonosor n'avait personne. Mais Nabucodonosor va battre Arphaxad ainsi que tous ses alliés. Pour se réjouir de cette victoire, il va
fêté pendant 120 jours. Nabuchodonosor n'était pas croyant, mais il l'a emporté sur ses nombreux ennemis. La prière du chrétien doit être: ô Seigneur, mes ennemis se sont multipliés. Combien d'adversaires? Combien osent me dire: Dieu ne te servira de rien. Mais toi, Seigneur, mon bouclier protecteur, ma gloire, tu me feras relever la tête. Psaume 3, 2, 4. Quel que soit le nombre et la multiplication de tes ennemis bien-aimés, tu dois t'appuyer sur Dieu. Si Nabuchodonosor, qui n'était pas un croyant, a quand même obtenu la victoire, malgré le nombre, la multiplication du nombre de ses ennemis, Dieu est capable, et plus que capable, à donner à ses enfants, dont tu fais partie, la victoire, malgré la multiplication du nombre des ennemis. Dieu te fera relever la tête, car tu seras un rouleau compresseur. Tu continueras ton chemin malgré et contre tout. Le Seigneur te le dit: ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la balle, tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Isaïe 41, 14 à 17. Dieu dit que il fera de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Tu étais un vermisseau, mais tu deviendras un traîneau aigu, garni de pointes. Quel changement de statut! Le vermisseau qu'on tue facilement va se transformer en traîneau. Tu rencontreras les obstacles, les difficultés, les complications, les incompréhensions, mais le Seigneur dit que tu es un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Lui-même fait de toi un nouveau Zorobabel, pour qu'il parle en ces termes: qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviendras une plaine. Quand il y a une montagne devant toi, Dieu parle à la montagne: qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviendras une plaine. Le célibat qui est devant toi comme une montagne, Dieu dit à ce célibat: qui es-tu, grand célibat? Devant elle, tu deviendras une plaine. Une maladie se dresse devant toi comme une montagne, Dieu dit à cette maladie: qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviendras une plaine. Il y a un grand chômage devant toi, le Seigneur dit à ce chômage: qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviendras une plaine. Tes montagnes deviendront des plaines. Tes montagnes deviendront des plaines. Tes montagnes deviendront des plaines. Devant les difficultés, nous devons crier ainsi. Et à la place des Zorobabel, chacun devra mettre son nom. Chacun devra mettre son nom là où on a mis Zorobabel. Mets maintenant ton nom. Dis: qui es-tu, grande montagne? Devant Blaise, tu deviendras une plaine. Qui es-tu, grande montagne? Devant Blaise, tu deviendras une plaine. Qui es-tu, grande montagne? Devant Blaise, tu deviendras une plaine. Zorobabel veut dire né à Babylone. Un homme qui triomphera de ses origines. Il est né à Babylone.
mais il triomphera de ses origines. Lorsque quelqu'un est un rouleau compresseur établi par le Seigneur, ça se voit par sa capacité à marcher la tête haute. Quelles que soient les difficultés, c'est ça. Être un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes, il y a des difficultés. Marche tête haute. Chaque matin, tes ennemis veulent voir comment tu vas marcher. Ils ont fait ceci le soir, ils ont fait ceci la nuit, et le matin ils te regardent, comment il va sortir. Parfois tu es chez toi à la maison, tu ne sais pas celui qui te guette, qui guette ta sortie, qui veut voir comment tu vas sortir. Et tu sors de ta maison, tête baissée, il dit, nous avons gagné. Chaque matin, sors de chez toi, tête haute, marche tête haute, quels que soient les problèmes. C'est ainsi que les montagnes vont te fuir. C'est ainsi que les montagnes vont se transformer en plaines devant toi. Mais lorsque tu as une difficulté, tu sors le matin, tête baissée, tu es triste, tu veux que les hommes te consolent. Tu ne gagneras pas le combat spirituel. On ne gagne pas avec une mine de fête. Ce n'est pas la mine de fête qui te fera gagner le combat. Ce n'est pas la tristesse du visage qui te fera gagner le combat. Ce qui te fera gagner le combat, c'est la tête haute qui signifie que tu mets ta foi dans le Seigneur. C'est ça l'humilité de Dieu. Et les musulmans ne peuvent pas comprendre ça. Les musulmans ne peuvent pas comprendre l'incarnation. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est le propre des chrétiens. Notre Dieu en Jésus-Christ. Parce que les musulmans compliquent souvent. Parce qu'ils discutent avec les modalistes qui disent que le même Jésus, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Mais si tu discutes avec un trinitaire, le trinitaire va lui dire non, il y a Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois pères, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui qui s'est incarné, c'est qui? Le Fils. C'est pourquoi il prie, parce qu'il est le Fils incarné. Il n'est pas le Père. Il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Le Père est Dieu, mais il n'est pas le Fils. C'est un mystère de notre foi. Mais un mystère que nous comprenons. Nous comprenons. Comme nous pouvons dire, l'image n'est pas bonne, mais quand même, elle nous aide à comprendre. Nous avons une main. Combien de mains? Quelqu'un voulait dire cinq. Combien de mains? Combien de mains? Combien de doigts? Cinq doigts, mais une main. Ça peut nous aider à comprendre que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois pères. Comme nous avons une main, mais qu'il y a cinq heures. Mais la difficulté de l'image, c'est que dans l'image, le doigt n'est pas la main. Le doigt, le petit doigt n'est pas la main. Mais dans la Trinité, ça le mystère. Le Père est Dieu. Pas le Père est un Dieu. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit. Donc il y a trois. Il y a trois personnes en Dieu. Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments. L'ancien, le nouveau, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ça la foi. Même si nous disons qu'il y a trois personnes en Dieu, le refrain qui revient, le plus, il n'y a qu'un seul Dieu qui. Il n'y a qu'un seul Dieu qui. Je parlais donc de Lazare. Jésus arrive. Les gens ont pleuré. Et lui arrive le quatrième jour. Où l'avez-vous mis? Il est arrivé. Pas pour poser une gerbe de fleurs. Pas pour pleurer. Il dit, enlevez la pierre. Et après, Lazare sort. Amen. Les Arabes ont un proverbe, ils disent, hein, les charognards ne s'abattre que sur une bête blessée. Hein? Quand tu es une bête blessée, fais un effort pour te cacher. Quand tu es blessé, là, hey, c'est de ta faute. Tu devais cacher ta blessure. Toi, tu es blessé, tu exposes ta blessure. Ah!
les charognards vont s'abattre sur quoi? Sur toi. Tu n'as pas caché ton sang. Un homme qui triomphera de ses origines. Lorsque quelqu'un est un rouleau compresseur établi par le Seigneur, ça se voit par sa capacité à marcher la tête haute. Ce n'est pas pour rien que nous commençons aujourd'hui l'étude du livre de Judith, dont le nom signifie louer, féliciter. C'est ça Judith. Judith vient de Judas, et Judas a donné juif et juive. Les juifs, c'est un homme tantôt haï, tantôt aimé, à tort et à raison, mais qui avance en dépit de tout. Regardez les juifs à travers le monde. Vous trouverez des gens qui les haïssent. Vous trouverez d'autres qui les aiment. Vous allez dans une église, vous trouvez un drapeau d'Israël. Comment le drapeau d'Israël peut se retrouver dans une église en Côte d'Ivoire? Là, on les aime. Mais vous verrez à la télévision des gens en train de brûler le même drapeau. Tantôt haï, tantôt aimé. Mais le juif avance. Le juif avance. Son nom, c'est le louer, le féliciter. Judas, tes frères te loueront. Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur leur nuque. Quand Jacob bénit ses fils, il dit, toi, Judas, ta main sera sur la nuque de tes frères. C'est ça, Judas. Et c'est une prophétie qui s'accomplit. Les Juifs font comme ça. Haï ou aimé, il avance tel un rouleau compresseur qui avance en dépit de tout. Un fait, en 65 ans, Israël a fait d'un désert rocailleux l'un des pays les plus modernes du monde. 65 ans seulement. C'est en 48 qu'ils sont rentrés. En 48, la guerre de 8 jours. 48, et depuis 48 ça, hein, en peu de temps, Israël est devenu un pays les plus modernes du monde. À l'issue de la méditation de ce livre, chacun doit être pour ses ennemis un miroir cruel de leur incapacité à avancer et à investir dans autre chose que la haine, les complots, les crocs en jambes. Israël est entouré des Arabes, des Syriens, Irak. Voilà les pays qui l'entourent, Israël. Donc, tous les pays environnants sont hostiles à Israël. Mais Israël avance. Voyez les soldats les mieux formés, vous les envoyez en Israël. Parmi les services secrets, le plus fort au monde, Israël. Les lobbies les plus forts au monde, Israël. Malgré la haine, ils avancent. Que nos ennemis deviennent comme ces malades qui cassent les thermomètres. Détruisons-le, disent-ils, afin de ne plus voir notre régression, notre incapacité, notre faiblesse. Ils ne réussiront pas. Car Dieu t'a établi comme les thermomètres, mieux comme les thermostats, mieux comme son rouleau compresseur. Pourquoi les gens te haïssent? Tu es le miroir qui révèle leur incapacité. Comment lui réussir là où nous nous échouons? C'est pour ça qu'on te combat. Tu es le thermomètre qui révèle la température de leur échec. C'est pourquoi ils ne t'aiment pas. Quand dans la vie les gens te haïssent, ne dis pas c'est pour ta tête, ne dis pas c'est pour tes lèvres, c'est parce que tu es un miroir qui dit leur échec. Avance malgré la haine, avance malgré les complots, avance, va de l'avant. Oh mais, je recule, non, avance, sois comme Israël, sois comme Juda. C'est le mois où tu ne pries pas bien, quand tu fais 120 jours de fête d'affilée. Les 4 mois là, c'est là que tu vas rencontrer l'homme de ta mort. Pas l'homme de ta vie, l'homme de ta mort. La femme de ta mort, tu vas la rencontrer durant les 120 jours où tu fêtes d'affilée. Le texte le dit bien. Il s'en retourna ensuite avec ses troupes et l'immense foule qui s'était jointe à eux, incommensurable cohue d'hommes armés, alors dans l'insouciance. Dans l'insouciance, ils s'adonnèrent à la bonne chair, à la bonne chair. Lui et son armée, 120 jours durant, Judith 1, verset 16. Cette fêtardise désinvolte, la désinvolture, c'est la manière de se comporter avec une liberté excessive, voire inconvenante. Cette fêtardise
hantardise désinvolte qui pousse à faire bonne chair. Faire bonne chair, c'est bien manger. Faire ripaille, faire débauche de table. Débauche de table, faire bonne chair, manger. Faire ripaille. Aujourd'hui, nous allons faire ripaille. Nous allons faire débauche de table. Débauche de table. Est un orgueil qui précède la chute. Faire bonne chair est un orgueil qui précède. Comme les gens là, tu as un peu d'argent, tu étais béni, tu as $100, $200, tu vas payer la viande, le cabri là, de $20. Je dois faire bonne chair. Je dois faire ripaille. La suite de l'histoire montrera que les fêtes de Nabucodonosor et de son armée n'étaient qu'insouciance, incurie, indifférence et manque total de soins ou d'application dans l'exercice d'une fonction ou dans l'exécution d'une tâche. Cécité. Il y a des fêtes qui sont insouciance, incurie, cécité. C'est pourquoi je dis toujours que parmi les signes du chrétien mondain, il y a l'amour des fêtes. Les chrétiens qui aiment faire bonne chair, boire, s'enivrer, faire n'importe quoi, ces chrétiens-là annoncent leur cuisante défaite. Il n'est pas des soldats, dit saint Paul, qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2:4. Si tu veux plaire à Dieu qui t'a enrôlé dans son armée, ne t'embarrasse pas des affaires de la vie. Sois un soldat discipliné. Et la discipline du soldat se voit dans le boire, dans le manger, dans la discipline sexuelle. C'est là qu'on voit un soldat. Un soldat vit sur le qui-vive. Il est tout le temps prudent comme un serpent. Comme ça. Il est éveillé. Il ne sait pas quand on va l'attaquer. Mais que dire du commandant qui ne fait que festoyer? C'est simplement un criminel de guerre. Donc si un simple soldat doit vivre sur le qui-vive, mais que dire du commandant? Tu es commandant, toi père de famille. Tu es commandant. Mais c'est toi qui es le commandant de ton armée, maman. Mais si toi le commandant, tu dors, tu festoies, qu'adviendra-t-il du reste de l'armée? Durant 4 mois, tu n'as pas une vie de prière profonde. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas les Écritures. Pendant 4 mois, tu viens à la messe distrait. On prêche, tu oublies. On prêche, tu dors. 4 mois. Tu sais ce que l'ennemi va faire durant les 4 mois? Tu sais le malheur qui va t'amener durant les 4 mois? Les 120 jours de fête, les 120 jours d'insouciance, les 120 jours d'incurie, où tu as abandonné Dieu. Tu sais ce que le diable va semer dans ta vie? Quand tu as fait 4 mois sans prier, quand tu as fait 4 mois sans te concentrer véritablement sur la parole de Dieu, tu sais les ravages? Mieux vaut aller à la maison du deuil qu'à la maison du banquet, puisque c'est la fin de tout homme. Ainsi le vivant y réfléchira. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un triste visage, on peut avoir le cœur joyeux. Le cœur du sage est dans la maison du deuil, le cœur des insensés dans la maison de la joie. Mieux vaut écouter la semence du sage qu'écouter le chant de l'insensé. Ecclésiaste 7, 2 à 5. C'est-à-dire la maison du recueillement, la maison de la méditation est de loin supérieure à la maison de la fête, à la maison du bruit, à la maison de l'insouciance. Tu es le commandant de ta famille. Toi, l'aîné de la famille, c'est toi le commandant de la famille. Tes petits frères sont des soldats. Ils peuvent dormir, ils peuvent festoyer, mais toi, tu n'as pas le droit à festoyer. Tu n'as pas de minutes à perdre. Tu es l'aîné de la famille. Je vous ai déjà dit ici, cher aîné, vous blaguez avec la vie.
120 jours festoyant, cher aîné. Tu as perdu beaucoup, beaucoup de temps. Un jour, avec ces 120 jours perdus, c'est ta petite sœur qui sera sur le trône et tu viendras manger chez elle. Quelle honte, comme grande sœur, célibataire, et tu restes ta petite sœur, mariée. Et tu t'occupes de ses enfants. Et tu laves ses enfants. Et tu commences à lui faire des problèmes quand elle vit en paix avec son mari. Parce que toi, tu as passé 120 jours dans l'insouciance la plus totale, dans l'incurie, dans la fête, dans les fêtes mondaines. Un grand frère insouciant deviendra le serviteur de ses petits frères et surtout de ses petites sœurs. Tu vas commencer à aller chez ta petite sœur. Tu vas avoir toujours un rire forcé, le rire des commerçants chez ta petite sœur, toujours en train de rire. Même si ce qui se fait ne fait même pas rire. Pour t'attirer un peu de sympathie auprès de tes neveux, tu vas commencer. Bonjour les petits, ça va ici? Hein? Bébé, bébé, bébé. Pour qu'on te donne à manger. Les malheurs de rouleau compresseur. 120 jours de fête. Tu as gagné, tu as écrasé tout sur ton chemin. Maintenant, tu commences à fêter 120 jours. C'est ça le malheur. Les 120 jours, c'est les jeunes là qui étudient bien. Ils réussissent en classe. Ils se distinguent. Ils croient que la distinction, c'est tout. Petit, c'est ça. Donc, tu fêtes 120 jours. Comme je me distingue en classe, je suis très fort. Je vais faire ceci dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas que ça. Et puis, dans la vie, il y a des choses qui ne vont pas venir maintenant, qui peuvent venir plus tard. Tu peux même terminer. Tu as même le travail. Tu as même le mariage. Mais... le mariage, même après 5 ans, même après 10 ans, dans le mariage, tu dois mettre au monde premier enfant, bon, deuxième enfant, bon, troisième enfant, bon, quatrième enfant, comme un monsieur qui raconte une blague là, qu'un monsieur, il se marie d'abord, et on lui apprend que ta femme vient de mettre au monde, il court vite à l'hôpital pour voir l'enfant. Il dit, je vais voir mon enfant, comment il va? On lui dit, non, l'enfant n'a pas de jambes. Comment il n'a pas de jambes? Il n'a pas de jambes. Il dit, ça fait rien, c'est toujours mon enfant, je vais le voir. Non, calme-toi, il n'a pas de bras. Bon, il n'y a pas de problème, c'est toujours mon enfant, je vais le voir. Il n'a pas de tête, c'est toujours mon enfant, je vais le voir. Après, il le regrette et puis après, il se renforce, c'est toujours mon enfant. Et finalement, il arrive là, il trouve l'enfant sans bras, sans tête, sans... Et puis, il, dans son courage, il rassemble son... Mon bébé, comment ça va? On lui dit, il n'écoute pas. Il n'entend même pas. C'est quoi? Le plan secret de Nabucodonosor. Là, j'ai terminé le chapitre 1er, j'entre dans le 2e. La 18e année, le 22e jour du premier mois, le bruit courut au palais de Nabucodonosor, roi des Assyriens, allait tirer vengeance de toute la terre. Comme il avait dit, tous ses aides de camp et notables convoqués, il tint avec un conseil secret et décida de sa propre bouche la destruction totale de toute la contrée. Alors on décréta de faire périr quiconque n'avait pas répondu à l'appel du roi. Judith 2, 1 à 3. C'est le texte qui nous a amené à déclarer 2022 année de l'anéantissement du plan de Satan. Le succès plonge dans les excès. Au lieu de gérer ses victoires, Nabucodonosor se prend pour un dieu. Tous ceux qui avaient refusé de répondre à son appel furent l'objet d'un conseil secret entre le roi, ses aides de camp et ses notables. On décréta de faire périr tous ces rebelles. En ce début d'année, sachons qu'il y a des réunions où ta destruction a été déjà planifiée. Celui qui planifie ainsi ta destruction, c'est Nabucodonosor, qui est un vrai rouleau compresseur, qui rase tout sur son chemin. Mais notre espérance vient de la révélation du secret de Nabucodonosor. C'est le moment de nous souvenir de ce texte. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Éphésiens 5, 13. C'est ce verset qui est souvent traduit par « Tout ce qui est révélé est condamné ». Quand Dieu condamne une chose, il la manifeste. Quand Dieu condamne un conseil secret, il le manifeste.
tu finis par apprendre ce qui a été décrété dans cette réunion. On dit que la réunion était secrète, mais le bruit se répandit. Pourquoi est-ce que le bruit se répand? Parce que Dieu veut aider les siens à prendre des précautions. Amen. Amen. Quand Dieu condamne une réunion, il en révèle les secrets. Le fait de savoir ce que l'ennemi trame est déjà une victoire sur lui. Le roi d'Aram était en guerre avec Israël. Il tint conseil avec ses officiers et dit, vous ferez une descente contre telle place. Élisée envoya dire au roi d'Israël, sois sur tes gardes pour cette place, car les Araméens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des hommes à la place qu'Élisée lui avait dite. Il l'avertissait et le roi se tenait sur ses gardes. Et cela pas rien qu'une ou deux fois. Le cœur du roi d'Aram fut troublé par cette affaire. Il convoqua ses officiers et leur demanda, « Ne m'apprendrez-vous pas qui nous trahit auprès du roi d'Israël ?» L'un de ses officiers répondit, « Non, mon seigneur le roi, c'est Élisée le prophète d'Israël qui révèle au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » 2 Rois 6, 8 à 12. La parole de ce jour nous révèle que le diable planifie la mort contre nous. Les plans étant connus, il est déjà anéanti. Dans les histoires de guerre, c'est pourquoi un pays fort, c'est le pays dont les services de renseignement sont forts. Les diables ont des choses qu'ils planifient contre nous. Regardez le rôle du prophète Élisée dans la vie du roi. Quand le roi d'Aram, le roi syrien, préparer un coup contre Israël. Et Élisée le savait et prévenait le roi. Le roi d'Israël, attention, ils vont t'attaquer par la gauche, ils vont t'attaquer par la droite. Et le roi prenait des précautions. Quand le roi d'Aram a appris ça, il a appelé son conseil de guerre. Il a dit, mes chers frères, il y a parmi vous un mouchard. Quelqu'un révèle au roi d'Israël tout ce que je décrète ici en secret. C'est qui? L'un de ses officiers lui dira, c'est Élisée. Il sait tout, même ce que tu dis dans le secret de ta chambre. Il est au courant. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons venir à l'église. Quand tu viens à l'église et qu'on y prêche la parole de Dieu, même si le prédicateur ne s'est pas bien préparé, puisque Dieu ne fait rien sans en avoir révélé les secrets à ses serviteurs et prophètes, Dieu mettra cette parole, ce secret-là caché dans la bouche de ton prophète. Tu seras là pour écouter la parole, mais tu entendras une parole qui est la révélation d'un secret de Satan. Tu viens à l'église, tu entends, on dit, Satan veut faire ça dans ma vie. Et tu te réveilleras de ton sommeil. Et tu pourras ainsi vaincre Satan. Dans chaque enseignement, il y a un avertissement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend pas garde. Dans chaque enseignement, il y a un avertissement. Dans chaque enseignement, Dieu révèle le plan de Satan. Il suffit que tu sois attentif. Comment on donne mon exemple? Comment se caille? Mais vous allez dire, vous qui venez ici à l'église, vous dites facilement, surtout ceux qui me connaissent là, on a dit à Monsieur Lavé. Est-ce que vous savez même que c'est facile d'avoir un enseignement et d'avoir le point pour rentrer, pour parler de toi. Même si je connais ton problème, je peux me réveiller le matin ici, je regarde les lectures, il n'y a pas un point qui me permette d'entrer pour parler de ton cas. Mais quand même il y a ton cas et que le prédicateur trouve qu'il y a un point pour rentrer, pour parler de toi, dis-toi que c'est Dieu qui te parle. Ne dis pas que c'est le prédicateur. C'est ainsi qu'il est conseillé aux gens d'aller écouter la parole dans les églises neutres. Quand tu es dans une église où tu te crois visé par la parole, oh, on a eu tel problème avec M. l'abbé, s'il dit ça c'est moi, quitte cette église-là, tu vas te perdre. Va dans une église ou reste dans une église où tu dis, cette parole, c'est Dieu m'avertissant. Comme ici, tu as ma dette. Tu me dois de l'argent.
en parlant ici. Je n'ai pas préparé cet exemple. Mais regarde, j'arrive, cet exemple me vient à l'esprit. Moi, je ne prépare pas jamais les exemples. Donc, l'exemple me vient ici, de la dette. Je l'avais préparé. Il m'arrive ici, je dis, tu as ma dette. Lorsque je parle de la dette, pourquoi tu te fâches? Oh, il parle de moi parce qu'il m'a vu. Non! Quand je suis ici, parfois je ne vois pas. Je ne vois pas celui qui est dans le coin là. Vous savez, parfois quand on fait le partage, je dis, c'est qui? C'est que je ne vois pas. Je peux ne pas voir. Mais vous, vous allez dire, oh, il a parlé de ma dette comme il m'a vu à l'église. Il a commencé à parler de moi comme je lui dois l'argent. Mon frère, je ne parle pas de toi directement. C'est l'inspiration de la parole de Dieu qui me pousse à parler de toi. Et même si je parlais de toi, où est le mal si tu es dans ce cas-là? Montre-moi seulement que ce que j'ai dit là n'est pas logique avec la parole de Dieu. Montre-moi. Si tu me dois de l'argent, c'est une dette ou ce n'est pas une dette? Tu dois payer ou non? Amen. Donc, le 22e jour de la 18e année, Nabucodonosor, rouleau compresseur, tient une réunion secrète pour se venger. Il fait un plan. Il dit, je vais détruire tous ceux qui m'ont résisté. Tous ceux que j'ai appelés quand j'avais des problèmes avec Arphaxad. J'ai dit, venez m'aider. Ils ont dit, ah, qui es-tu toi? Tu n'es qu'un homme. Tu es un homme isolé. Nabucodonosor gagne. Au lieu de se reposer, il dit, ces gens-là, puisqu'ils ne m'ont pas obéi, je vais maintenant les punir. Je vais maintenant les détruire. Mais cette réunion secrète a des fuites. Connaît des fuites. Les gens apprennent. Je t'ai dit, chaque fois qu'on prêche la parole, il y a des fuites. Les fuites d'information montrent que tu es sur le chemin. Dieu t'invite à prendre garde pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Tout enseignement est un avertissement prophétique. Que tu viennes à l'église, qu'il y ait une parole qui te touche, ce n'est pas chaque jour. Tu peux aller à l'église, on dit des choses, tu dors. Mais si on dit des choses, tu es éveillé. On dit des choses, tu es éveillé. Tu comprends, tu dis ça, c'est, tu fais des liens avec ce qui t'est arrivé hier, avec ce qu'on t'a dit hier. Tu dis que c'est par hasard. Ce n'est pas Dieu t'avertissant, c'est Dieu t'avertissant. Et les gens ici, parfois, donnent ça comme témoignage. Amen. Amen. La nomination et la mission de l'Oferne pour exécuter son plan. Nabucodonosor a besoin d'une main. Et il la trouve en la personne de l'Oferne. Le conseil terminé, Nabucodonosor, roi des Assyriens, fit appeler Holoferne, général en chef de ses armées et son second. Il lui donna les injonctions suivantes qui constituent la quintessence de son plan. Nous allons lire le plan. C'est ça. Année 2022, anéantissement du plan de ça. Nous partons de Nabucodonosor. Alors nous allons voir le plan de Nabucodonosor. Qu'est-ce que Nabucodonosor, après avoir nommé Holoferne, lui donne comme mission? C'est là que se trouve le plan. Lisons-le. Ainsi parle le grand roi, maître de toute la terre, c'est lui Nabucodonosor. Pars, prends avec toi des gens d'une valeur éprouvée, à peu près 20 000 fantassins et un fort contingent de chevaux avec 12 000 cavaliers, puis marche contre toute la région occidentale. Puisque ces gens ont résisté à mon appel, mande-leur de préparer la terre et l'eau, car dans ma fureur, je vais marcher contre eux. Des pieds de mes soldats, je couvrirai toute la surface du pays et je le livrerai au pillage. Leurs blessés rempliront les ravins et comblés de leurs cadavres, torrents et fleuves déborderont. Je les amènerai en captivité jusqu'au bout du monde. Va donc, commence par me conquérir toute cette région. S'ils se livrent à toi, tu me les réserveras pour le jour de leur châtiment. Quant aux insoumis, que ton œil n'en épargne aucun. Voulez à la tuerie et au pillage dans tous les territoires qui t'est confié. Car je suis vivant, moi, et vivante est la puissance de ma royauté. J'ai dit, tout cela je l'accomplirai de ma main. Et toi ne néglige rien des ordres de ton maître,
mais agis strictement selon ce que je t'ai prescrit sans plus tarder. Ça, c'est le plan de Nabucodonosor. Tu es pillé, sans pitié, sans tarder. Il dit, je couvrirai des pieds de mes soldats toute la surface du pays et je le livrerai au pillage. Il dit, il y aura beaucoup de blessés. Les blessés rempliront les ravins et comblés de cadavres. Donc on va jeter beaucoup de cadavres dans les torrents et dans les fleuves au point que ces derniers déborderont. Un plan de mort massive. Ça c'est Judith 2, 4 à 13. Les paroles de Nabucodonosor, qui s'est dit grand roi et maître de toute la terre, il dit qu'il est le maître de toute la terre, nous font penser aux prétentions du diable. En Luc 4, 6, le diable dit quoi à Jésus? Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Le diable, Nabucodonosor, rouleau compresseur, prend la place de Dieu et il dit que c'est lui qui donne le pouvoir. Ceux qui nous combattent se prennent toujours pour Dieu. Ils se prennent au sérieux et ne pêchent jamais par excès de confiance. Sachons-le, et c'est la raison pour laquelle Nabucodonosor ne transige pas quant aux moyens et stratégies à mettre en place pour nuire à nos vies. Avec les siens, ils prennent des gens d'une valeur éprouvée, 20 000 fantassins, 12 000 cavaliers. Comme Satan, ils mettent tout de leur côté pour gagner. Ils nous tuent massivement et nous pillent systématiquement. Ils s'attaquent à nos personnes et à nos biens. Satan ne pardonne jamais à ceux qui lui résistent. Il leur en veut cruellement et il s'attaque farouchement à leur personne. Le voleur ne vient uniquement que pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Le connaissant sous cet aspect, nous vivons cette recommandation. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Ce verset est une parole qui nous voulait représailles de Satan. Si nous les vivons, si tu résistes au diable, il va te combattre. Ceux qui ont résisté à Nabucodonosor, Nabucodonosor veut leur mort. Puisque nous résistons au diable, ici représenté par Nabucodonosor, il prépare un plan de mort contre nous. Chaque matin, le diable te dit, dors, toi tu sors, tu viens à l'église. Tu lui as résisté. Il n'est pas content. Il prépare un plan de mort contre toi. Tu dois savoir que puisque tu résistes au diable, le diable te veut du mal. Il a un plan de mort contre toi. Alors n'abandonne pas ce Dieu auquel tu t'es accroché. Alors ne renonce pas à cette foi qui te crée déjà des problèmes. La même qui te crée des problèmes, la même t'apportera des solutions. La même t'élèvera. La foi fera de toi un grand. En même temps qu'elle te crée des problèmes. Pour les problèmes que la foi te crée, accroche-toi à Dieu. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu peux avoir des sœurs, tu peux avoir des frères, mais eux ne prient plus. Elles ne prient plus ou ne prient pas. Et toi, tu vas à l'église. Ils attendent un jour pour se moquer de toi. Toi, tu allais toujours à l'église. Tu as quoi? Toi, tu priais. Tu as quoi? Imagine que toi, tu viens à l'église comme tu viens là. Même en dents de scie, même en jet de lumière. Tes frères et tes soeurs le savent. Un jour, ils te rappelleront. Toi, tu allais toujours à l'église, non? Quand nous, on s'absentait là, toi, tu allais à l'église. Mais tu as quoi? C'est ainsi que lorsque tu viens à l'église, il faut venir vraiment. Il faut venir avec la rage de vaincre. Il faut venir avec la rage de réussir. Pour que tu puisses les dire. Les prières que je fréquentais là ont payé. Vous savez, les jeunes gens engagés, vous qui êtes tout le temps à l'église, on vous connaît, non? Vous qui vous mettez toujours devant. Oh Laurent, oh William, il y a tes frères qui ne prient pas comme toi.
rendez-vous dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils te diront ça. Tu priais beaucoup, tu as quoi? Moi, votre prêtre, quand j'étais jeune, je priais beaucoup. Aujourd'hui, ceux qui m'ont connu, ils peuvent témoigner. Ils disent, l'abbé là, il priait beaucoup quand on était jeune. Lui aimait seulement la prière. Il était tout le temps à la paroisse. On comprend pourquoi Dieu a fait ceci et cela dans sa vie. Je veux que vous ayez la même victoire. Il ne faut pas que celui qui t'a connu aujourd'hui, comme jeune engagé, puisse se moquer de toi. Mais il priait beaucoup. Il est toujours comme ça. Sa vie n'a pas changé. Ta vie doit changer. Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Pour que les gens disent, oui, lui, hein, Dieu a honoré sa foi. Dieu a payé ses prières. Parce que tout jeune, il était toujours à la prière. Il aimait beaucoup la prière. Ses frères, ses soeurs se moquaient de lui. Amen. Amen. Il y a un plan de l'ennemi contre toi. Pour qu'un jour, à partir de toi, on désévangélise. On puisse dire, regardez Christévi, lui il était tout le temps à la prière à la place universitaire. Regardez ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est inutile de prier. Il ne faut pas que quelqu'un utilise ta misère, ta pauvreté, ton malheur, ton célibat pour désévangéliser. Alors ça le défi, le plan de l'ennemi, que tu échoues pour qu'on se moque de toi et toi tu connais ce plan. En 2022, ne laisse pas Satan triompher. Ne laisse pas Satan réussir son plan. Que son plan soit anéanti. Tu en as reçu la révélation. Il a planifié la mort. Il ne doit pas réussir. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour annoncer les merveilles de Dieu. Le plan de l'ennemi, ceux qui ont préparé pour se moquer de toi, ils ne doivent pas réussir. Ils ne doivent pas réussir. Ils attendent que tu commettes une faute pour qu'ils puissent bien se moquer de toi. Ne commets pas cette faute. Amen. Les meilleurs pour combattre les médiocres. Nabucodonosor qui représente ici Satan est très fort en casting. Casting, c'est quand on fait un film, on dit voilà, tel rôle sera joué par tel. Tel autre rôle sera joué par tel. C'est le casting. L'attribution des rôles. Satan est très fort. Nabucodonosor est très fort. Il trouve Holoferne. Écoutez ce qu'on dit. Il choisit très bien ses pions. Il choisit un homme qui ne perd pas le temps. En effet, sorti de chez son souverain, Holoferne convoqua tous les princes, les généraux, les officiers de l'armée d'Assur, puis dénombra des guerriers d'élite. Conformément aux ordres de son maître, environ 120 000 hommes, plus 12 000 archers montés. Il les disposa en formation normale de combat. Il prit ensuite des chameaux, des ânes, des mulets, en immense quantité, pour porter les bagages. Le chef n'a pas parlé des bagages, mais lui cherche des animaux pour les bagages. Des brebis, des bœufs, des chèvres, sans nombre, pour les ravitaillements. Il prend aussi, le patron n'a pas parlé du ravitaillement, mais moi je dois m'occuper du ravitaillement. Un homme prévenant, chaque homme reçu d'amples provisions, ainsi que beaucoup d'or et d'argent, comptait à la maison du roi. Donc il dit, les gens qui vont en guerre ici, il faut les motiver, il faut leur donner des provisions, il faut leur donner de l'argent, il faut leur donner de l'or, pour qu'ils soient motivés pour aller se battre. Puis, avec toute son armée, il partit en expédition devant le roi Nabucodonosor afin de submerger toute la contrée occidentale de ses chars, de ses cavaliers, de ses fantassins d'élite. Une foule composite marchait à sa suite, aussi nombreuse que les sauterelles, que les grains de sable de la terre. Aucun chiffre n'en pourrait évaluer la multitude. Ils quittèrent donc Ninive et marchèrent 3 jours durant dans la direction de la plaine des Bechtilètes. Des Bechtilètes, ils s'en vinrent camper près des montagnes situées à gauche de la Haute-Cilicie. De là,
avec toute son armée, fantassins, cavaliers et chars, Holoferne s'engagea dans la région montagneuse. Il pourfendit Poutz et Lutz, rançonna tous les fils d'Erasis et ceux d'Ismaël, cantonnés à l'orée du désert, au sud de Chéléon, longea l'Euphrate, traversa la Mésopotamie, détruisit de fond en comble toutes les villes fortifiées qui dominent le torrent d'Abrona et parvint jusqu'à la mer. Puis il s'empara des territoires de la Cilicie, taillant en pièces quiconque lui résistait. Arriva jusqu'aux limites méridionales de Japhet, en face de l'Arabie. Encercla tous les Madianites, brûla leur campement et pilla leur bergerie. Descendit ensuite dans la plaine de Damas, à l'époque de la moisson des blés, mit le feu aux champs, fit disparaître menu et gros bétail, pilla les villes, dévasta les campagnes et passa au fil de l'épée tous les jeunes gens. Crainte et tremblement s'emparèrent de tous les habitants de la côte, ceux de Sidon et de Tyr, ceux de Sour, d'Okina et de Jamnia, la terre, les populations d'Azoth et d'Ascalon. Judith 2, 21 à 28. On le voit, Holoferne est un envoyé plus que fidèle, car il va même au-delà de ce que son maître lui a dit. En vrai soldat, il pense même à la provision des troupes. Il va au-delà du nombre des soldats que le roi lui a ordonné de recruter. Partout il passait, il s'émet terreur et tremblement. Ce profil d'Holoferne doit nous faire vraiment réfléchir. Si le diable fait de bons castings en choisissant bien ses démons, avons-nous assez de discernement pour faire aussi de bons castings pour pouvoir déjouer ses plans? Nous ne sommes pas assez sélectifs. L'ennemi nous infiltre souvent et ce sont ces infiltrés qui sont nos meilleurs amis. Que des loups dans nos bergeries, ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas toujours les challengers pouvant contrer Satan. Que des soldats médiocres, que des mercenaires, que des déserteurs dans nos rangs. Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Luc 16, 18. Si Holoferne, le suppôt de Nabucodonosor, est un bon chat, il doit trouver en chacun de nous un bon rat. C'est le lieu de reparler du niveau du combat qui est le nôtre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ephésiens 6, 12. Le diable doit trouver en chacun de nous un adversaire de taille, un ennemi intraitable. Le diable, représenté ici par Nabucodonosor, est très fort en casting. Il sait distribuer bien les rôles. Il dit, je cherche Holoferne. J'ai une guerre. J'ai la guerre contre mes ennemis, ceux qui m'ont résisté. Je vais choisir le meilleur de mes généraux. Et choisir Holoferne. Que Dieu balaye un peu notre entourage. Ayons des gens de bien. Le diable choisit ses démons. Mais choisissons aussi nos anges. Ayons des anges. Non, non, ça c'est un ange que Dieu a mis sur mon chemin. Et l'ange ne peut pas te faire du mal. Il y a des gens, tu regardes seulement comme ça, celui-ci ne peut pas me faire du mal. Regarde un peu ton voisin. Regarde. Est-ce qu'il peut te faire du mal? Tout celui qui ne peut pas te faire du mal, c'est un ange. Tout celui, tu regardes comme ça, il peut te faire du mal. Oui, t'en as déjà fait. C'est un démon. Dis à ton voisin, dans ma vie, sois un ange. Ne me fais pas de mal. Alors, le mauvais casting, c'est celui-là. Choisir des ennemis, en faire des amis, leur ouvrir la porte de nos maisons, leur ouvrir la porte de nos cœurs, leur faire confiance. Ça, la plus grande erreur. Il ne faut pas que quelqu'un qui t'a fait confiance puisse un jour regretter. C'est ça le combat de chacun. Que personne ne regrette de m'avoir fait confiance. Que personne ne regrette de m'avoir fait confiance. La confiance qu'on m'a faite, je dois la mériter. Je peux avoir... Donc, vous voyez, on peut te faire confiance. Mais tu peux avoir des faiblesses. Par exemple, on me fait confiance. Je commets une erreur ailleurs. J'échoue en classe.
Ça, c'est normal. C'est arrivé, c'est un accident. Mais on te fait confiance. Tu combats la personne qui te fait confiance. C'est ça que je ne veux pas. C'est ça être démon. Tu peux tomber ailleurs. Tu peux commettre des erreurs. Mais pas combattre la personne qui te fait confiance. Et puis, deuxième point que je donne ici, j'ai dit, il n'y a pas que l'erreur de casting. Nous-mêmes, nous sommes un mauvais casting. Parce que, dans l'armée de Dieu, nous sommes des soldats médiocres, des déserteurs, des mercenaires. Nous travaillons pour l'argent. Regardez ici à la paroisse. Lorsque nous avons dit ici, il y a la viande. Je suis arrivé ici et dehors était plein. Pour la viande, pas de retard. Pour l'Éternel, le créateur de la viande, retard toujours. Nous sommes des mercenaires. Les mercenaires, ce sont des gens qui travaillent pour l'argent. Pour les biens matériels. Non, je ne suis pas chez Dieu pour les biens matériels. Et les gens qui confondent, parce que même l'homme de Dieu, hein, tu peux aller chez l'homme de Dieu pour la parole. Tu es venu pour la parole. Mais moi, comme je puis être généreux, j'ai dit non, Christévi prend la chemise, Christévi prend le pantalon, prend des chaussures. Alors tu prends ça, maintenant ça devient ton habitude. Chaque fois que tu viens chez moi, tu dis il n'y a pas une brocante ici. Ces soldats ici avaient accepté d'aller en guerre et on leur a donné de l'argent et de l'or. Par surcroît. On n'a pas, il ne s'était pas engagé dans l'armée pour l'or et l'argent. L'or nous accompagne, l'argent nous accompagne. Quand vous commencez à voir que vous venez à l'église pour l'argent, vous venez à l'église, vous voyez le prêtre, ça devient votre financier. Monsieur l'abbé, envoyez-moi un peu l'argent. Monsieur l'abbé, depuis que je vous ai demandé, le bon casting, c'est quand tu as des gens à qui parfois tu ne donnes rien et qui te disent que tu leur as donné tout. Jamais se lever. Vous ne m'avez pas donné l'argent. Vous m'avez enseigné à chercher l'argent. Ça, c'est un bon casting. Soyez un bon casting. Parce que c'est seulement le bien qu'on vous fait là qui se retournera contre vous. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec vous. Hein. Moi, je fais ma part. Chaque jour. Et parfois, vous ne méditez pas sur la part de votre prêtre. Le diable doit trouver en chacun de nous un adversaire de taille. Un ennemi intraitable. Sous les fourches codines. Passer sous les fourches codines, j'ai tenu par là, est une expression française qui signifie que l'on doit subir une épreuve difficile et humiliante. Lorsqu'on est vaincu, qu'on a subi une cuisante défaite, on passe sous les fourches codines. On est contraint d'accepter des conditions humiliantes et ruineuses. Devant le rouleau compresseur que fut le dieu Nabucodonosor Holoferne, certains résistants se virent obligés de passer sous les fourches codines. En effet, ignorant que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18-21, des envoyés porteurs de messages de paix furent alors dépêchés vers Holoferne avec ces mots. Nous sommes, dirait-il, les serviteurs du grand roi Nabucodonosor et nous nous prosternons devant toi. Fais de nous ce qu'il te plaira. Vous dites ça à Nabucodonosor. Fais de nous ce qu'il te plaira. Nos parcs à bestiaux, notre territoire tout entier, tous nos champs de blé, notre menu et gros bétail, tous les enclos de nos campements sont à ta disposition. Use-en comme bon te semblera. Nos villes mêmes et leurs habitants sont à ton service. Viens, avance-toi vers elles selon ton bon plaisir. Ah bon? Jude 3, 1 à 4. Ces anciens résistants feront allégeance jusqu'à se transformer en armée auxiliaire, en troubadour, en danseur de Nabucodonosor. Ces hommes se présentèrent donc devant Holoferne et lui transmirent en ces termes leur message. Avec son armée, il descendit ensuite vers le côté, établit des garnisons dans toutes les villes fortifiées et y préleva des hommes d'élite comme troupes auxiliaires. Les habitants de ces cités et toutes celles dans l'entour l'accueillirent parés de couronnes et dansant au son des tambourins. Judith 3, 7, 5 à 7. Le texte est beau car il souligne que malgré leur allégeance, Holoferne n'en dévasta pas moins leur sanctuaire et coupa leurs arbres sacrés, conformément à la mission reçue d'exterminer tous les dieux indigènes pour obliger le peuple à ne plus adorer que le seul Nabucodonosor et forcer toute langue et toute race à l'invoquer comme Dieu. Judith 3, 8. Toute guerre contre nous est en fait une guerre contre notre Dieu.
C'est là le véritable enjeu. Qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil, dit l'Éternel, Zacharie 2:8. Mais la finale du texte est déjà suggestive. Il arriva, Holoferne, il arriva en face d'Esdrelon, près de Dotaïa, bourgade 6 en avant de la grande chaîne de Judée, campa entre Geba et Sitopolis, et il demeura tout un mois pour réapprovisionner ses forces. Judith 3, 9 à 10. Le fait de citer la grande chaîne de Judée dans ce livre de Judith dit déjà beaucoup. Il est vrai que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point de Dieu, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois, de la pierre, et ils les ont anéantis. Mais Éternel notre Dieu, délivre-nous et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Le chapitre 3 se termine avec Holoferne à la porte de la Judée. C'est pourquoi je vous ai montré les trois premiers chapitres. J'ai prêché sur les trois premiers chapitres. L'erreur du rouleau compresseur. Il se croit Dieu. Il a gagné, mais il tombera quelque part. On parle déjà de la chaîne de Judée. Judith de la Judée va battre Holoferne. Et Judith, c'est une femme. Et Holoferne, bourreau compresseur, il a gagné partout. Il a vaincu partout. Il a rasé tout sur son chemin. Il s'est cru demi-dieu, envoyé par un grand dieu, Nabucodonosor. Mais c'est une femme qui va l'écrouler. Les chaînes de Judée. Il a détruit les autres pays. Il a jeté au feu leur dieu. Parce que ces dieux-là n'étaient pas des dieux. Mais il ne va pas détruire Yahweh. Il ne jettera pas Yahweh dans le feu. Parce que Yahweh est le grand Dieu. Yahweh est le vrai Dieu. La guerre présente, ce n'est pas la guerre entre Holoferne et toi. Parce que la guerre que nous avons maintenant, Nabucodonosor veut qu'on l'adore comme Dieu. Il veut prendre la place de ton Dieu. L'enjeu de la guerre, mes bien-aimés, de tout combat, c'est ton Dieu. Qui a le Dieu le plus fort? C'est ça dans le monde des ténèbres. Quand les sorciers t'attaquent, quand les occultistes t'attaquent, c'est ça le véritable enjeu. Qui a le vrai Dieu? Qui a le vrai Dieu? Moi. Qui a le vrai Dieu? Moi. On le verra. C'est la suite du livre qui montrera qui a le vrai Dieu. La suite de l'histoire montrera qui a le vrai Dieu. Dans la famille, tes frères sont là, ils ne sont plus catholiques. Nous avons le vrai Dieu. Tes sœurs, nous avons le vrai Dieu. Tes cousins, nous avons le vrai Dieu. Ta famille est élargie, nous avons le vrai Dieu. Tes voisins, nous avons le vrai Dieu. Mais c'est la fin de l'histoire qui dira qui a le vrai Dieu. C'est ça ton vrai combat. Il faut qu'à la suite de tout, on puisse dire... C'est toi qui as le vrai Dieu. Le vrai Dieu est de ton côté. Nous t'avons combattu, mais nous pouvons maintenant témoigner que tu as le vrai Dieu. Amen. Est-ce que tu as compris? Quelle est l'erreur de rouleau compresseur? Prendre la place de Dieu. Tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Tu n'es pas Dieu. Il y aura quelqu'un qui viendra te battre. Et ce sera une femme. Ce sera un petit. Tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu n'es pas Dieu. Tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, remercie Dieu. Tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, remercie Dieu. Parce que Dieu peut t'arracher. Il a arraché la gloire à Arphaxad. Il va l'arracher à Nabucodonosor. Il te l'arrachera. Alors pour que Dieu ne nous arrache pas sa grâce, attachons-nous à lui. Que Dieu vous bénisse.